propos de toute notre vidéo. Donc ce soir, rendez-vous à la soirée presse de la Paris Games Week, c'est-à-dire la veille de la Paris Games Week, où on va rencontrer un peu tous les autres youtubeurs, les autres influenceurs, les trucs comme ça. Du coup, on s'est un peu préparé avec Ronro. Là, on va partir d'ici un quart d'heure. On est en train de vous sortir la vidéo. Bon, du coup, ce sera passé depuis longtemps, mais on est en train de vous sortir la vidéo en même temps. C'est un peu le bordel. Ronro est full concentré là. Du coup on a mis genre je crois une demi-heure à savoir qu'est-ce qu'on allait mettre. Du coup j'ai mis ce haut là et je me suis habillée un peu n'importe comment. Je sais même pas comment faut s'habiller pour aller là-bas. Pareil Roro il a mis un polo et qu'est-ce que t'as mis d'autre? Ah ouais un sarouel. On sait pas trop comment s'habiller pour aller là-bas mais on y va. On va vous montrer un peu tout ça, allez c'est parti. La deuxième journée de Paris Games Week, du coup celle où on va vous rencontrer, ça va être putain de cool. Hier soir c'était la soirée presse, on est complètement explosé. Je crois qu'on a dormi 6 heures, quelque chose comme ça. Du coup on est un peu démonté, mais franchement on a trop hâte de voir qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui. T'es pas prêt? Oui. Bah non. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on pense de la soirée presse. C'est plutôt cool, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de monde. C'était juste dingue, il y avait... trop de youtubeurs, trop de presse, trop de machin. C'était blindé de monde, c'était noir de monde. Donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui, mais du coup on a réussi à rentrer dans le stand Fortnite. Après ça a été très 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 difficile de négocier pour rentrer dans d'autres stands. Pour d'autres youtubeurs et d'autres gros youtubeurs, ça a été aussi très difficile de rentrer dans les stands. Cette année c'est super strict. Du coup on va voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis aujourd'hui Social Corner, normalement si tout se passe bien, ce soir soirée Fortnite. Donc voilà. Au Social Corner, je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a énormément de musique. Je me rapproche. Mais voilà, bah, t'approches pas trop. Ça fait gros. Et on est avec pas mal de youtubeurs. Je sais pas si vous allez bien nous entendre dans nos Social Corner. Donc c'est là où il y a tous les youtubeurs entre parenthèses. Voilà, on va vous montrer un petit peu l'envers du décor de, bah, de la Paris Games Week. J'espère que vous allez kiffer ce vlog, les potes. J'espère tous d'ailleurs. Pourtant, il y a Zekiri, il y a Buzo, il y a Kenny, enfin il y a plein de youtubeurs. De toute façon, on va vous montrer ça. Ouais. De tout le monde. Je suis seul au monde, un master pour chanter l'amour. Un master. Tu sais, si tu connais pas les paroles, tu rajoutes un truc entre les deux. Ouais, mais c'est quoi, smash à sauce? Masto step, a musta la magnania, masto step, a musta la magnania, masto step. Ce mec il a un problème. J'en ai fait moi. Au poulet. Lui, ça va? C'est pas liker les amis. Likez, tous likez. Les gars, là comme je vous ai dit, on est dans le stand YouTube, voilà, il y a un peu tout le monde. Il y a pour ceux qui connaissent, Overtech, Shadowbass, voilà, Sticky aussi. Aïe aïe aïe. Alors, il faut gagner les cadeaux.
la deuxième journée de Paris Games Week épuisante. On vient de terminer le live, c'est trop bien passé, c'était génial de vous avoir retrouvé. Là on monte au 56e étage de la tour Montparnasse pour la soirée Fortnite. On va tout vous filmer, enfin on espère. Donc bienvenue sur cette vidéo et mettez des pouces bleus. Attends, mais on a mis l'étage au moins? Mais c'est automatique, l'ascenseur tout est automatique. Mais j'y comprends rien. Ça monte directement. Putain, on voit dans la glace là. C'est énorme. Ready to play now, put me in the game. Un petit peu les potes, malheureusement, ouais. Donc bon voilà, tenue exigée quand même, hein. Ma petite, ma pauvre, ouais, ma pauvre Aura,
Toujours un plaisir d'aller à Paris Games Week, les potes. Toujours un plaisir de vous voir. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Oh, qu'est-ce qu'on a fait là comme bêtise? On a fait une grosse bêtise parce qu'on a fait Saint Blanc. On a craqué. Non, je rigole, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est la famille qui rigole. Ah, il y a deux têtes. Est-ce qu'il y en a qui vont reconnaître? Je vais pas tout déballer, mais allez. C'est magnifique. Lourd, hein. Ah ouais, ah ouais. C'est pour ceux qui connaissent, les gars, je vous le dis, je vous spoil, c'est Vegeta version Majin Buu. Ouais. Magnifique, les gars. On est prêt à rentrer là. Yes. On est à la Paris Gare de Lyon là. On est prêt comme ça. Et ben ça y est, c'est fini. On rentre à la maison. On va récupérer Piccolo. Bah ouais, logique.